Ouvre mes yeux, je veux.
Aussi les frères et sœurs. Je ne sais pas pour vous. Est-ce qu'on partage la même chose? Ça, c'est moi. Je ne sais pas pour vous. Pour moi, quand je ne vois pas longtemps, vous avez remarqué, quand je vois quelqu'un à peine un dimanche, je dis, mais ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. C'est comme, c'est pas que je fais exprès. Mais c'est l'amour de Dieu qu'on ne voit pas quelqu'un. Parce que la semaine, on ne se voit pas. On ne se voit que le dimanche. Est-ce que vous ne trouvez pas, c'est beaucoup? Pas pour tous, il y en a qu'on se retrouve vendredi et autres, mais la plupart du temps, on se retrouve le dimanche. Et pour attendre encore le dimanche, il y a combien de jours? Entre deux dimanches. Hein? Pour vous, allez dire, oh pasteur, tu m'as vu dimanche dernier. Mais c'était dimanche dernier, c'était pas lundi, c'était pas mardi, c'était pas mercredi, c'était pas jeudi, c'était pas vendredi. Est-ce que c'est pas beaucoup? Pour vous, c'est rien. Vous savez? On a l'habitude, les habitudes s'installent tellement vite. Et quand il y a l'amour de Dieu, vous allez dire, mais j'ai vu le Seigneur, mais le Seigneur est en nous. Il nous pousse, l'amour de Dieu nous presse. C'est pourquoi nous voulons exprimer toute notre reconnaissance. Nous n'allons pas le faire simplement avec les chants, mais avec nous dîmes et nos offrandes que nous avons préparées. Ça fait partie du culte. Et c'est vraiment avec joie que lorsqu'on le fait. Je ne sais pas, là encore c'est un autre problème. Il y a d'autres quand ils le font, ça leur coûte. Non, 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 moi ça me coûte pas. Ce chant nous pousse vraiment à prier notre Dieu de tout notre cœur en lui disant, ouvre les yeux de mon cœur, je veux t'entendre, je veux t'écouter, pas simplement entendre un bruit, mais écouter l'Éternel. C'est-à-dire vraiment se disposer devant ce Dieu, se discipliner devant Dieu, faire taire nos pensées, faire taire notre chair pour laisser la parole de Dieu envahir notre cœur. Est-ce qu'on peut le prier ensemble? Est-ce qu'on peut se plier devant sa volonté? Est-ce qu'on peut l'invoquer ce matin en lui disant, Seigneur, dépose ton esprit qui nous aide vraiment à nous plier à ta volonté. Oui, Père, aide-nous ce matin.
Saint-Esprit. Nous t'avons chanté. Mais Seigneur, nous voulons vraiment t'écouter ce matin. Nous voulons vraiment recevoir de toi. Seigneur, tu nous as donné ta parole. Et tu as envoyé ta parole pour nous restaurer, pour nous libérer, pour nous délivrer, pour nous rendre libres. Et Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment le déclarer. Nous rendre libres ce matin. Dieu veut te libérer ce matin. Amen. Amen. Libère. Alléluia. Vous pouvez reprendre place. On va lire la parole de Dieu ensemble. Je pense que vous êtes tous présents et je sais que vous êtes présents. Soyez vraiment attentifs, je ne vais pas vous donner le thème tout de suite, mais on va lire d'abord ce passage de cet homme qui était devenu un roi en Israël. Cet homme qui est devenu un roi. Le Seigneur m'a amené dans ce passage suite à ce qu'il m'a révélé très tôt. C'était, je peux dire, samedi. Et c'était vendredi à samedi. Vous savez que des fois, quand je pour m'endormir, puis vite, j'écoute des louanges, j'écoute des chants, messages, tout, tout. Et des fois même, je termine pas parce que je m'endors et tout ça très vite, même pas à moitié. Je m'endors quand j'écoute des louanges, ça me fait du bien. Et c'est mon remède, c'est ce qui me permet de s'endormir très vite. Et parfois, ce sont les chants aussi qui me réveillent. Parfois, ce sont des messages que j'attends, j'ai dit, mais quel moment je me suis endormi? Et pourtant, je voulais écouter, je voulais entendre ce chant-là, mais pourquoi c'est arrivé? Boum, d'un coup, c'est comme ça, sans mes bénissons à Dieu. Son esprit me berce. On est des enfants de Dieu. Et c'est au milieu de la nuit, ce message est venu se taire dans mon cœur. Et Dieu m'a vraiment parlé à travers ça. Et vous allez découvrir ensemble, et vous avez bien fait de venir aujourd'hui. Je ne dis pas que les autres ne viennent pas de Dieu, ce que Dieu m'emmène à apporter, mais parfois il peut nous emmener à mettre l'accent. Et c'est suite à tous les messages qui ont été apportés depuis dimanche, vendredi, toute la semaine, que le Seigneur m'a emmené sur ce message et je bénis Dieu pour cette continuité, pour ce fil conducteur donné par le Saint-Esprit. Mais on va lire d'abord le psaume 139, et parce qu'aujourd'hui je veux vraiment prendre, me poser, et que notre esprit vraiment puisse se poser, nous penser à travers ce message que Dieu nous a donné. Et c'est le roi David qui va s'exprimer ainsi. Il va dire, ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant. Amen. Et vous avez dit, vous dites amen. Bon, après, bon, je passe, je dis rien. Je comprends, c'est le fait de la parole de Dieu, on dit amen à tout. Mais attention, hein, il y a des choses que quand on lit dans la parole de Dieu, il ne faut pas dire amen. Hein. Ça ne s'adresse pas à nous. Hein. Je reprends. Oh Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant. Dis pas amen. On n'était pas méchants, nous, avant. Il ne faut pas oublier. Et je poursuis. Homme de sang, écartez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière infâme. Ils prennent ton nom en vain, eux, tes adversaires. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent? Du dégoût pour ceux qui se soulèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Waouh! Ils sont devenus pour moi des ennemis. Mais heureusement, il y a ce verset qui vient équilibrer. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées, ou mes préoccupations. Regarde si je suis sur mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Heureusement, il y a eu cette prière. Pourquoi il y a eu cette prière? Là, David est en train d'exprimer un sentiment. Un sentiment qu'on peut dire amer. Cet homme qui était appelé de Dieu, il a connu des épreuves, des souffrances, mais qu'est-ce que cela a engendré en lui? C'est ce que nous allons voir, le thème de ce matin. Voilà. Les blessures intérieures
On va parler des blessures intérieures. Qui n'a jamais été blessé? Qui lève la main. Parce que si tu lèves la main, j'ai prié que tu passes par là. Parce que ça n'existe pas. C'est pourquoi ce message nous concerne tous. Amen. Si quelqu'un sort ce matin dire « Oh, ça ne m'a pas parlé », je dirais « Eric, donne-lui l'enregistrement. » Ça doit... Mais quand je me suis mis à bosser dessus, j'ai dit « Seigneur, tu me fais comprendre tellement de choses. » Moi-même. Parce que avant de parler des blessures, il faut être guéri aussi. On ne peut que donner ce que nous avons reçu. Et n'est-ce pas, nous voulons être des prédicateurs, des prédicatrices? Mais si Dieu ne nous a pas guéris, comment on va guérir les autres? On va plutôt les blesser. Parce qu'il dit, celui qui blesse, celui qui est blessé, fait aussi de même. C'est pour ça aujourd'hui, nous allons parler des blessures, les blessures intérieures. Et j'ai essayé de les souligner parce que j'ai fait des recherches. Les blessures sont en nombre de 5. On va dire, mais est-ce qu'on peut les numérer? Parce qu'il y a plusieurs blessures, styles de blessures, qui sont petites ou grandes. On va les trouver à travers ces 5 blessures que nous allons voir, les blessures intérieures. Parce que quand on dit intérieur, c'est à l'intérieur, on ne les voit pas. Et on ne les voit pas. Parce que pour les voir, il faut rentrer à l'intérieur. Beaucoup sont blessés, ils traînent les blessures. On ne les voit pas. On ne les voit pas. Ils sont bien à l'intérieur. Et parfois même enfuis quelque part, dans une chambre. Là, on a l'habitude de mettre tout. À la maison, on cherche des endroits là qu'on met tout. Un genre, on met tout. Pas vous? Vous n'avez pas un endroit chez vous que vous balancez tout, 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 parce que vous n'avez pas le temps de vous aller, vous allez revenir. Et plus qu'on dit on va revenir, on entasse. Et c'est comme ça les blessures. On dit on va revenir, on va régler. Mais on entasse encore d'autres. Amen. Excusez-moi. Parce que Dieu qui m'a parlé, il va aussi vous parler. Amen. Quand il me donne, je donne. Je ne le garde pas tout seul, il faut partager. N'est-ce pas, il dit? Portez les fardeaux les uns les autres. Donc, on va le porter ensemble. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais souligner les noms de 5. Premier, rejet. Et deuxièmement, l'abandon. L'humiliation. La trahison. Cinquième, l'injustice. Personne n'a vécu ça. Je fais une petite pause, c'est pas pour me manquer. Parce que j'ai dit en même temps, je vais parler de ça. Seigneur, permets que moi, que je puisse pas élever la voix. Parce qu'en parlant de ça, comme ça à l'intérieur, je veux braquer personne. Parce que parfois, beaucoup se braquent et ça pénètre pas. Je veux que le Seigneur puisse pénétrer en nous. Surtout quand il parle du rejet. J'ai noté le rejet. Nous parle de refus, déni, renvoi. Quelqu'un qui est rejeté, qu'est-ce qu'il fait souvent s'il n'est pas guéri? C'est ce qui se manifeste en lui. Habitude de dénier, rejeter les choses facilement. Il rejette facilement, il renvoie. C'est jamais sa faute. C'est toujours la faute à l'autre. Mais ça, ce sont les conséquences des blessures. Et je continue. Il y a l'abandon. L'abandon nous parle de laisser aller, démission, négligence. Et si on ne le traite pas, c'est ce qui nous arrive. Négligence. Laissez aller. Parfois, on se laisse aller. Quelqu'un qui a connu cela comme blessure était abandonné, rejeté, sans le vouloir, il refait la même chose. Et je continue, parce qu'il y a des choses à dire. L'humiliation.
nous parle de crainte, humilité, abaissement. Voilà, humilié. Il y a des gens qui se sont toujours humiliés. À peine qu'on va les parler, soit reprendre, ils vont se sentir humiliés. Mais pourquoi? Parce qu'on t'a vraiment humilié. T'as toujours honte, mais pourquoi? Là, il ne faut pas avoir honte, t'as honte. Parce qu'il y a ceux qui s'abaissent souvent devant les autres. Parce qu'on les a écrasés. On les a humiliés. Il y a cette blessure. Et cette blessure qui est là, il donne ce qu'il a reçu. Nous ne pouvons que donner ce que nous avons reçu. Qui n'a pas été humilié dans sa vie? Et il y a des choses à dire. Je passe. La trahison. Ah, la trahison. Ça produit aussi quelque chose. Quelqu'un qui était trahi. Tout bébé, enfant. Ça existe entre les enfants. Parce que vous allez voir, après ça commence tout. Tout jeune. La trahison nous parle de fourberie. Duplicité. Mensonge. Infidélité. Quelqu'un qui a connu dans son foyer que les trahisons. Mensonge. S'il a été blessé par une trahison, fourberie, duplicité, mensonge, infidélité. Pourquoi le monde est de plus en plus infidèle? Parce que c'est l'esprit du monde. Ce sont les conséquences du péché. Et qui dit conséquence du péché aussi, dit aussi blessure. Et ça fait que beaucoup aujourd'hui, qui se sont trahis, se sont toujours trahis, ils ont du mal à faire confiance. Pourquoi beaucoup ont du mal à faire confiance? Même dans le couple. Tout ce que tu fais, la personne va avoir du mal. Elle va se sentir trahie. Mais pourquoi? Parce qu'elle a connu ça en enfance. Et vous aimez tout ce que je fais. Oui, c'est comme ça. Tout ce que tu fais, ça ne change rien. Et il y en a qui luttent avec les mensonges. Parce que depuis petit, on les a menti. Et les blessures engendrent tout ça. Là, je sens qu'il y a vraiment un silence à réfléchir. Je n'ai même pas encore fini. C'est juste un début. Non, quand je parle comme ça, parce que Dieu m'a parlé, m'a dit, ça, c'est un message qui va emmener la croissance. Amen. Parce que le monde souffre. Ça, les blessures intérieures. Tu vas mettre le doigt. Amen. Et tu prêcheras aussi ailleurs de ça. Je continue. L'injustice. Qu'est-ce que l'injustice? L'injustice nous parle de l'abus. Revendication, inégalité, surtout l'abus. On n'a jamais abusé de toi. Tu as connu ça. Et tu cries, c'est injuste, c'est injuste. À tel point tu as rejeté Dieu. Il y a toutes sortes d'abus dans ce monde. Mais aujourd'hui, cet abus en toi et tu le manifestes. Parce que tu as été blessé. Frères et sœurs. Et j'ai noté, c'est pourquoi j'ai noté ces cinq blessures. Blessures en moi. Nous empêchent d'être soi-même. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas vrais. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais prendre le temps. C'est pourquoi le péché nous a déformé ce que nous avons. C'est les conséquences du péché. Personne ne peut dire. Depuis l'enfant, bien avant dans le ventre maternel. Beaucoup ont senti même le rejet quand ils étaient dans le ventre. C'est pourquoi ce que Dieu appelle, il les fait passer, il permet. Pour qu'il puisse guérir les autres. Toi qui dis tu as appelé, entouré pas mal de gens, ton message doit commencer sur ça. Parce que nous qui sommes venus au Seigneur, personne ne peut dire
qui n'a jamais été blessé. Et pour d'autres encore, ont gardé leurs blessures. C'est pourquoi j'ai noté comme question, je me suis interrogé à travers, vu que je me suis dit, ces cinq blessures nous empêchent d'être soi-même. Même si on essaye, mais ça bloque quelque part. Et pour ça, je me suis dit, alors comment guérir de ces blessures intérieures? Comment guérir de ces blessures intérieures? Et je me suis encore posé une question parce que c'est important de s'interroger devant Dieu plusieurs fois. Comment guérir de ces blessures intérieures? Comment guérir les blessures de l'enfance? Parce que la plupart des blessures viennent de l'enfance. Et je me suis encore posé une autre question. Est-ce possible de guérir totalement de ces cinq blessures aujourd'hui? Est-ce que tu penses que c'est possible? Amen. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Même quand on est délivré, c'est le monde d'aujourd'hui. L'injustice, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, tout ça. On le vit au travail. On le vit au travail. Alors comment guérir de cela? J'ai noté, suivez-moi en premier. Vous êtes toujours là? Amen. Amen. J'ai noté en premier, être très attentif à notre comportement. Parce qu'il y a ceux qui ne sont pas conscients. Ce n'est pas ton comportement que tu vas voir les choses. Avant de regarder l'autre, il faut se regarder. Comment tu réagis face à une situation? On n'est pas tous concernés. Quand on vient t'agacer, dire une parole par rapport à ce que tu as vécu, comment tu réagis? Dis-moi. Oui, c'est un moyen, j'ai marqué, très efficace pour la guérison de nos blessures. Et d'être très attentive à notre comportement. On le voit à travers le verset 22 et la suite. Là, on voit à travers les paroles, les propos de David, il y a eu un comportement, une réaction face à ses ennemis. Comment tu pries pour tes ennemis? Comment tu pries pour ceux qui t'ont enfoncé? On voit, ah, Seigneur, en premier. Si seulement tu pouvais faire mourir mes ennemis. Oh, Seigneur, cette soeur, ce frère, oh. Parce que ça t'a permis de sortir un sentiment que tu peux appeler négatif, mais ce n'est pas toujours négatif, c'est pour notre bien. C'est ce qui va te permettre d'examiner. N'est-ce pas, parfois nous pouvons dire à quelqu'un qu'on va dire quelque chose simple dans la rue quand j'évangélise, la personne se dit, mais pourquoi tu t'énerves? Parce que ça réveille certaines choses. Ça réveille. Et nos comportements d'aujourd'hui, écoutez bien, ça réveille des choses qu'on a eues à l'enfance. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas été guéri, mais ça peut devenir une plaie, il y a la cicatrice. Mais une réaction peut ouvrir encore la cicatrice. Oui. Est-ce que vous suivez? Amen. Ce qui nous permet de s'examiner. Hein. Moi, le premier qui vous parle comme ça, on a besoin. Béni soit Dieu. Parce que des fois, Dieu nous emmène dans des messages. On s'examine plusieurs fois avant de l'apporter. C'est pour ça que j'ai dit, ce que j'ai porté, vous allez le porter aussi pour une bonne cause. Pour notre bien. Oui, il faut suivre son comportement. Parce que notre comportement nous parle. Ne mettez pas un coup dessus en disant, c'est la faute de l'autre. J'essaye pas de justifier l'autre. Mais comment Dieu réagit?
N'est-ce pas, nous avons l'habitude, je vais le montrer qui je suis. C'est des blessures qui sont. Ah là 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 là. Dieu n'a pas fini de vous parler. Vous êtes toujours prêts à entendre. David lui-même, il a dû faire une prière à Dieu sans devoir. C'est comme s'il disait change-moi. Il parlait de son cœur, de ses pensées, parce que ça se passe à l'intérieur. Ça se passe dans le cœur. Les blessures. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, le Seigneur m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Vous suivez? C'est ça que Jésus va mettre en premier. On a été tous brisés, excusez-moi du terme, même cabossés. Mais lui, c'est ce mécanicien qui est venu nous enlever toutes ces rayures. Frères et sœurs, David, si Dieu dit de cet homme, un homme selon mon cœur, c'est pas pour rien. Cet homme a demandé la grâce de Dieu parce qu'il était attentif à Dieu à cause de son comportement. La première chose qu'il faut voir, c'est notre comportement. Vous suivez? Amen. La première chose, c'est si on veut être guéri. Ne regardez pas le comportement de l'autre. On s'habitue à dire c'est l'autre. Même si l'autre n'a pas été injuste. Oh Seigneur, sous ça, on se retrouve tous. Et la deuxième, accepter. Écoutez bien. Accepter le passé est passé. Mais le passé, très souvent, nous rattrape. Le passé, ce qui est passé, on ne peut rien y changer. Malheureusement, les choses sont là. Qu'est-ce qu'on peut changer du passé? On peut changer quelque chose si on veut avancer. C'est pour ça que l'apôtre Paul parlait de sa détermination à oublier les choses qui sont derrière. C'était une détermination pour l'apôtre Paul. N'est-ce pas, la Bible dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Il y a la justice du royaume. Il y a l'injustice, mais il y a la justice du royaume qui te dit de t'emmener vraiment à courir plus vite et déterminé à garder, à fixer tes regards sur Jésus, à ne pas regarder en arrière. Oui, l'apôtre Paul l'a vécu quand il dit, frère, pour moi, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Il dit qu'il n'a pas été, il n'a pas là cette prétention. Mais il sait une chose. Parce que lui, il va à l'essentiel. En avant. J'ai décidé de ne pas regarder en arrière. Parce que lorsque vous conduisez, s'il y a un accident derrière, vous continuez à regarder en arrière, qu'est-ce qui risque de vous arriver? C'est encore plus grave! Et si sans cesse, je veux me rappeler du passé. Parce que vous savez que nous avons l'habitude de dire, c'est vrai, on va arriver là, il faut en parler. Mais si quelqu'un te rappelle toujours ton passé, et ce que nous avons l'habitude de faire, c'est pas bon. Oui. On n'a jamais fait ça dans le couple. Qui n'a jamais fait ça, que lève la main. Vous voyez, on est concerné. Ce message m'a emmené d'abord à s'humilier devant Dieu. Non, mais il faut être honnête. Amen. Dieu m'appelle à porter cela, j'ai humilié mille fois pardon devant Dieu. Et ça sera aussi votre cas. Amen. Oui. On est spécialiste de ça, rappeler. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle le passé, comme quelqu'un a dit. Si le diable te rappelle ton passé, parle-lui de son avenir. Il est condamné à mort. Amen. Et il y a certains psychologues qui vont nous dire, parle-moi, parle-moi. Est-ce qu'on doit parler tout le temps quelqu'un de son passé? Il faut lui montrer ce que Jésus nous a tracé devant. Amen.
Il faut lui montrer la parole de Dieu qui va l'emmener à se considérer de nouveau devant ce Dieu. C'est ce qui est important, frères et sœurs. Oublions ce qui est en arrière et tendons vers ce qui est en avant. Parce que ce qui nous attend est merveilleux. Parce que si on regarde en arrière, les choses, les blessures, ce que nous avons, les gens nous ont fait, qu'on a fait aussi, on ne va pas s'en sortir et c'est la culpabilité qui va venir en nous enfoncer. D'où beaucoup prennent des sacs pour venir à l'église. Pasteur, j'en peux plus. J'en peux plus. Mais décharge toi. Ça, c'est des blessures. Au lieu de se décharger, on prend encore d'autres. Oh Seigneur. Troisièmement, c'est vrai qu'il faut parler. Mais quand j'ai dit tout à l'heure, pas sans cesse se rappeler du passé. Quand j'ai dit qu'il faut parler par rapport à la blessure, toi qui te sens blessé, tu dois prendre ce message et donner aux autres aussi. Voilà, amen. Parler. Si ça vous empêche, j'ai marqué, d'être heureux, parlez-en avec votre conjoint pour qu'il comprenne votre mal-être et puisse éventuellement vous aider. David a parlé à Dieu de ce mal-être. Il dit, imparfait. Vous allez me dire, c'est un homme de Dieu, mais ça arrive. Cet homme a eu des coups. Parce que quand Dieu nous appelle à un service, à un ministère public, mais si vous ne demandez pas la grâce de Dieu, vous allez avoir l'aide. Parce que quand Dieu vous dit, toi tu diras rien, laisse les autres parler. Si tu n'emmènes pas ton cœur à Dieu, les blessures, ça va emmener développer quoi? La haine. Comme David, comme Jérémie et les autres prophètes. Parce qu'ils ne comprenaient pas, ils travaillaient pour Dieu, qu'est-ce qu'on faisait? Résultat, salaire, boum! Trahison, l'injustice, rejet. Ces prophètes étaient tous rejetés, la plupart du temps. Les hommes de Dieu dans la Bible ont été rejetés. Mais s'ils n'avaient pas Dieu, s'ils ne parlaient pas à Dieu. Mais David, il est vrai, parfaite haine. Il parlait même de faire mourir ses ennemis. Mais nous, on va les critiquer. Il était honnête devant Dieu. Et il s'est ressaisi. Parce que ce n'est pas ça qui pouvait l'emmener vers la voie de l'éternité. Et nous, on pense, oui, on nous a fait du mal. Oui, feu du Saint-Esprit. Hein? Et on dit, ah, Dieu va agir. T'occupe pas, il peut agir. Mais pas à cause de ta prière. Si Dieu a réglé les problèmes des ennemis de David, ce n'est pas à cause de cette prière. La preuve, David va dire, je ne lèverai pas les mains sur le roi de l'Éternel. Amen. Et c'est Dieu qui a jugé. Amen. Mais lui, à un moment donné, il a dit, non, je veux continuer. Regardez devant moi. Mais mes amis, couple, qu'est-ce qui se passe souvent? On veut que le feu de Dieu tombe. Et l'épouse ou l'époux devient un ennemi. Ce n'était pas comme ça au départ. Mais qu'est-ce qui fait que il devient comme des ennemis? C'est les blessures. Et au lieu de faire comme David, sonde mon Dieu et connais mon cœur. Regarde! Regarde mes pensées. Parce que c'est dans le cœur, ça s'exprime par les pensées et en paroles. Parce que très souvent, à travers ces blessures, on dit des choses après, on dit « je regrette ». On a tous regretté, mais sur le moment, boum! Ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts, frères et sœurs. Et les blessures, l'ennemi s'en sert. S'en sert bien comme il faut. J'ai bien eu encore des choses à dire. Troisièmement, ou quatrièmement, je ne sais plus si c'est quatrièmement, ouais. Pardonner. J'ai noté, ne pas pardonner à ceux qui nous ont offensés est une affaire très sérieuse.
Le pardon que l'homme reçoit de Dieu est révoqué quand il refuse de pardonner aux autres. Toi qui veux que Dieu te pardonne, on va dire, Seigneur, t'as vu ce qu'il m'a fait? Oui. Frères et sœurs, le non-pardon le place, on nous place sur une malédiction et les esprits démoniaques sont autorisés à les tourmenter. Remarquez bien, les gens qui ont du mal à pardonner sont tourmentés. Mais qui les tourmente? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Qui les tourmente? Quand Saül avait une haine sur David, il voulait le liquider. Et malgré tout le mal qu'il a fait à David, David prononçait des paroles de bénédiction. Saül était tourmenté. Et dans des foyers, il y a ceux qui sont tourmentés. Parce que quand on leur parle de pardon, ça les énerve. Comment tu peux me dire le pardon est un remède? Le pardon nous libère des blessures. C'est pourquoi on a besoin de parler à Dieu. David a parlé à Dieu quand il a connu des trahisons. Des gens qui étaient avec lui. Achitophel qui était avec lui. Il a connu des trahisons, c'était son conseiller. Des gens qui mangeaient avec lui, quelle blessure! Mais il a décidé de parler à Dieu. Qu'est-ce que tu décides aujourd'hui? Est-ce que tu décides de pardonner? J'ai vu des chrétiens qui disaient non. Quand Dieu m'a emmené à mettre le doigt, je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas pardonner. Pardonner, c'est le commandement de Dieu. Amen. Pardonner, c'est un commandement de Dieu qui nous emmène vers la libération, qui nous emmène vers le cœur de Dieu. Lui-même, il a pardonné. Jésus même a dit, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Et pourtant, on a craché sur lui. On l'a crucifié, frères et sœurs. La Bible nous dit qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Mais le châtiment qui nous donne la paix tombée sur lui, lui, il a été blessé. Mais sa blessure nous donne la vie. Amen. Frères et sœurs, oui, c'est dur de pardonner. C'est pourquoi il faut un miracle. Mais le miracle viendra le moment que tu vas commencer à le dire, Seigneur. Comme Pierre l'a fait, on a travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sous ta parole, je jetterai le filet. Alors si tu dis Dieu, de moi-même je ne peux pas, de moi-même je suis incapable, mais sur ta parole je vais pardonner, parce que tu me donnes ta grâce, me donne la capacité. Mes frères, on regarde trop à nous. Quand Dieu nous parle, on le dit mille fois, je ne peux pas. Dieu sait que tu ne peux pas, mais il te donne la capacité. Amen. La grâce de Dieu nous donne la capacité. Le fait de dire je ne peux pas, je ne peux pas, je ne pourrai jamais, c'est comme si tu disais Dieu, tu ne peux pas. Parce que si lui, ton père, te dit, fais ceci, pars dans cette rivière, il est là, il te tient la main. Amen. Il est là, sans que tu vois, il t'a déjà dévancé. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort pour nous, frères et sœurs. Amen. Pourquoi l'Église souffre? On traîne des gamelles, on traîne des blessures, on traîne des problèmes. On va voir les psychologues, mais les psychologues, ce n'est pas Jésus. Il peut nous apporter une parole sage, mais la solution, alléluia, le résultat final appartient à notre Dieu. Amen. Amen. Le résultat, c'est là que tu vas aller. Tu vas voir quelques paroles, mais il y aura toujours un manque. Parce que tu n'as pas été guéri, tu n'as pas pardonné. Est-ce qu'un psychologue, certains des psychologues, je bénis Dieu pour les psychologues chrétiens aujourd'hui. Parce que s'ils vont dans cette branche, Dieu veut envoyer aussi. Parce que les gens vont facilement voir les psychologues. Mais on oublie ce point essentiel qu'il faut pardonner. Et un autre point que même rarement beaucoup nous amèneront dans ce point-là, c'est quoi? Non, je l'ai mis presque en dernière. On va revenir. C'est la réconciliation. Mais je vais parler d'abord de se repentir. C'est en cinquième. Je vais aller par ordre, les ordres que j'ai mis les choses.
placé. Mais on va dire, mais je suis blessé, pourquoi je dois me repentir? Parce qu'on est toujours victime. C'est vrai qu'il y a des victimes. Mais pourquoi je dois me repentir? Sur ça, j'ai noté. Il est également possible que notre propre inconduite de blessure soit un terrain propice pour que les autres nous infligent des blessures. Tellement qu'on se place comme des victimes, c'est comme si parfois il nous arrive à dire les autres, frappe encore, j'ai pas mal. Parce que celui qui est blessé, blesse. Mais il s'est encore blessé. Je ne sais pas si vous suivez. Amen. Dieu nous demande une honnêteté et une humilité totale quand nous venons devant le trône de sa grâce. Qu'est-ce qu'il nous demande en premier quand on vient devant lui? De travailler notre ego. Parce que qui dit blessure, suivez bien, c'est là que ça va choquer, dit aussi ego. Parce que qu'est-ce qui remplace parfois les blessures quand on veut les cacher? On développe un ego en nous. L'ego est tellement puissant dans le monde. Quand je disais tout à l'heure, à travers ces cinq blessures, nous déformons, on n'est pas nous-mêmes. Parce que quelqu'un qui a été écrasé parfois veut, sans faire essayer d'écraser tout le monde pour qu'on ne voit pas cette blessure. Il développe un ego. C'est pourquoi, par nos blessures, commencez déjà à vous repentir. Et pourquoi encore se repentir? Qu'est-ce que David a dit? Fais-les mourir. Parce que si Dieu devait faire mourir ses ennemis, nous, on ne sera pas là. Ah, ce mot repentir vous échappe. Parce que très souvent, on nous a fait du mal. Mais toi qu'on a blessé, à travers les blessures qu'on t'a infligées, tu as blessé d'autres. Le problème de couple, c'est quoi? Dites-moi si ça vient d'autre chose. Dites-moi. Vous comprenez pourquoi je me disais ce message sera une clé. Et de la vision, la croissance que je tenais, ça sera une clé pour débloquer. Parce que les gens viendront écouter. Parce que les gens vont parler de leurs blessures. Mais à cause de l'ego aujourd'hui, regardez, les gens ne sont pas eux-mêmes à cause de blessures. On a développé un ego. Dans le monde travail, des fois les gens vous combattent, mais un jour vous les voyez s'écrouler. Je dis, mais c'est cette dame-là qui s'écroule. C'est ce monsieur qui s'écroule. C'est une carapace. Oh Jésus, pardon. Est-ce que vous voulez encore le Seigneur nous parle? Ne dormez pas, je vous en supplie. Vous pourrez dormir après chez vous. Mais ne dormez pas. Se repentir. Frères et sœurs, je répète, qui dit ego dit aussi blessure. Parce que deux fois, on a du mal à travailler sur notre ego. Et on riposte. Et on veut montrer, regardez dans chaque pays, dans chaque nation, il y a leur ego aussi. D'où des forteresses à faire tomber. Parce que regardez, je parle, quand je regarde tout ce que l'Afrique a vécu. Tout ce que l'Afrique a vécu, y compris les Antilles. Hein? Si on n'est pas guéri, il y a les blessures du passé. De nos parents, ce qu'ils ont connu à travers l'esclavage. Et si on demande, on ne se répond pas. Même, il y a des choses qu'ils n'ont pas fait de bien, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça avait développé en nous? Oui. Les blessures du passé à cause du péché. Et à cause de ces blessures, soit un Africain, un Antillais, parfois il peut développer aussi un ego pour dire, je montre aussi, on ne me laisse pas faire.
C'est choquant ce que je vous dis, mais je ne sais pas mettre quelqu'un bas. C'est pareil, les frères et sœurs. Parce qu'on est tous des frères blancs, noirs, tout ça. Mais c'est important de dire les choses, de comprendre comment chaque endroit fonctionne. Pourquoi ces réactions? Parce que l'esclavage n'a jamais fait du bien. C'est diabolique. Amen. Ça laissait des traces. Amen. Ça laissait des blessures. Et ces blessures, on le retrouve dans le foyer. Et longtemps dominé en Afrique et tout ça, cette domination, ça fait des blessures. Et quand j'entends les débats, je dis, il manque une chose, l'amour de Christ. Amen. Amen. Il y a la vérité. Mais il y a ce que Dieu a permis. Mais mes frères et sœurs, c'est vrai, les blessures aujourd'hui. Parce que quand on regarde, Dieu nous appelle à voyager sur autre. Quand on voit chaque nation, Dieu dit, je t'ai appris. Comme ça, tu sauras comment chacun fonctionne. Quand Dieu m'a appris toutes les souffrances que j'ai connues, repartant en Afrique, il m'a dit, c'est pour mieux servir. J'ai dit, ah, Dieu, pardon, tout ce que tu m'as fait, c'est trop. Mais aujourd'hui, je comprends, c'est pas trop, parce que quand je vois la couleur de l'Église, on vient de partout. Le passé a fait du mal. Mais si on doit regarder ce passé-là, en tant qu'Africain, antillais, et c'est dur pour mon frère des Antilles, que d'autres cherchent d'où il vient, ne sachant pas d'où il vient, ça fait des blessures. C'est des blessures bien avant que tu viennes sur terre. Et tout ça, ça bloque. Ça fait que les relations sont... Mais béni soit Dieu pour l'Église de Jésus-Christ. Béni soit Dieu pour l'Église de Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut se repentir. Et je bénis Dieu quand j'ai vu aux États-Unis d'autres blancs sont venus demander à des noirs pardon. C'est pas eux qui l'ont, mais le passé, les liens. Ça a apaisé. Ils sont repentis. Ils sont repentis. Tout ça, Dieu les a emmenés à le faire. Et Dieu s'est servi de ça pour guérir. Parce que sinon le diable se sert de ça, de cette division, pour emmener les blancs et les noirs se tuer. Et s'il n'y a pas le pardon, il n'y a pas de repentance, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce que le diable veut? Et peut-être pourtant il y a une seule race, les humains. Et c'est beau d'avoir des couleurs différentes. Amen. C'est beau. Amen. Mais nous qui sommes conscients qu'avait entendu ce message, que ça sort bien, même si nous sommes nés ici, mais nos parents sont venus de l'extérieur, à nous de prier, de ne pas laisser ces blessures faire son chemin et nous diviser. Parce que les blessures divisent. Les blessures divisent les couples, les enfants et les parents, frères et sœurs. Et je continue. Pourquoi j'ai mis la réconciliation? Comprenez mieux. J'ai noté la réconciliation et la restauration d'une relation brisée. Le diable sépare, brisé. Mais quand on vient, on demande, il y a une réconciliation. Une restauration d'une relation brisée. Et j'ai noté par la croix. Dieu a accompli la réconciliation des pécheurs, car Dieu nous a réconciliés avec lui-même par Christ. Et le mot grec de réconciliation dénote un changement complet, un passage de l'inimitié à l'amitié. C'est ce que Dieu veut voir dans les couples. Mais il n'y a pas toujours ça. À cause de quoi encore? C'est pour ça la réconciliation. Important. Certains ne veulent pas cette réconciliation. Mais si tu le fais avec Dieu, tu essaies de le faire, Dieu prend note. Amen. Parce qu'il y a ceux qui disent pardonne mais ne veulent pas se réconcilier. Certes, il y a des gens qu'on veut, cherchent la réconciliation, ils ne le voudront pas. Ça, on ne peut pas forcer. Que même dans le couple, il y a d'autres qui décident de partir. Mais qu'est-ce que Dieu nous a appelés? Il nous a appelés à se réconcilier. Quel que soit le problème, il peut éteindre le feu.
Mais comment ça se fait que ça va jusqu'au divorce? C'est qu'un des deux, ou peut-être les deux, ne veut pas la réconciliation. Et qu'est-ce que ça engendre après? Parce que la plupart sont issus des parents divorcés. Et qu'est-ce que ça fait dans les cœurs? Tu dis tu ne veux pas comprendre ton mari de tout ça, mais s'il est issu, pas été élevé par ses parents et loin, ça fait des blessures. C'est pour ça que tu dois apaiser envers lui. Trouver le moyen, ce n'est pas évident. Mais s'il a connu des parents divorcés et aujourd'hui, la société veut faire croire que ça ne fait pas des blessés, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, frères et sœurs. C'est pour ça que la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Amen. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez l'importance d'être réconcilié avec Christ. Comme je disais l'autre fois, quand quelqu'un s'éloigne de l'église, des frères et sœurs, il y a un passage que Dieu m'a éclairé et dit, il y a des choses qui se développent après dans son cœur. Désolé, je n'ai pas retrouvé ce passage, mais quand Dieu m'a fait réfléchir, il dit, mais quand même vous allez parler de la personne va voir tout le côté négatif, ça ne passe pas, ça, il y a ceci, il y a cela. Parce que voilà, il y a une rupture avec Christ. Il y a une rupture avec Christ. Sixièmement, j'ai noté, c'est stabilisé dans l'amour de Dieu. Amen. Pourquoi? Jésus a été méprisé et rejeté, comme je disais tout à l'heure, des hommes. Il a été blessé. Mais qu'est-ce qu'a gardé Jésus? Toi qui dis on m'a blessé. Mais Jésus te dit on m'a blessé, regardez-nous. Mes mains percées, j'étais blessé pour toi, nous dit Jésus ce matin. Jésus a connu toutes sortes de souffrances. Mais ça ne l'a pas troublé. Il y a une raison fondamentale qui explique pourquoi Jésus restait stable malgré les blessures. Il était en sûreté dans l'amour du Père. L'amour nous porte. L'amour est un bouclier. Jésus a senti l'amour du Père. Vous savez, les blessures nous éloignent de l'amour de l'un et de l'autre. Remarquez parfois quelqu'un qui a été blessé. Si elle n'est pas guérie, elle a du mal à manifester. Oh oui, il a du mal. Mais Jésus, sa blessure ne nous a pas éloignés de nous. Sa blessure ne nous a pas empêchés de nous sauver. Sa blessure ne nous a pas empêchés de nous guérir. Amen. Frères et sœurs, car comme je l'ai noté, retenez bien. Frères et sœurs, j'ai noté, avec le diable, nos blessures se transforment en héros. Mais avec Dieu, elles sont transformées en bénédictions en faisant de nous une source de guérison et de compassion pour les autres, car la guérison développe en nous un esprit d'humilité. Amen. Oui. Ça va développer en nous une compassion quand on est guéri, on se sent guéri, la compassion envers l'autre qui le vit, mais des personnes qui n'ont pas été guéries, qui ont des problèmes parfois, soit dans le groupe ailleurs, ils demandent la même chose pour tout le monde. Pour se réconforter quelque part. Mais mes frères et sœurs, l'amour c'est quelque chose. Parce que bien aimé, il y a eu beaucoup de victimes. Des victimes, et je veux le lire, les victimes d'abus qu'on appellera. Les gens qui ont été abusés. Et j'ai noté, c'est un fait connu quand un haut pourcentage des détenus dans les prisons américaines ont été abusés dans leur enfance. Une enquête menée dans l'une des prisons fédérales a montré qu'une grande majorité des hommes avaient été abusés dans leur jeune âge. Cette statistique reflète les conséquences terribles d'un traitement abusif durant les années de formation de la vie d'une personne. Sachant cela, nous devons apprendre à faire face aux causes plutôt
cause et effet. La plupart qu'on voit des gens en prison, c'est qu'ils étaient déjà blessés et brisés depuis l'enfance. Est-ce que j'ai noté, il y a ceux qui ont connu l'abus verbal, j'ai noté certains enfants entendent rarement une parole aimable. C'est vrai. Une parole aimable ou encourageante, ils sont réprimandés, ridiculisés, maudits et tourmentés. Les seules paroles dont ils peuvent se rappeler de la part de leurs parents sont « si seulement tu n'étais jamais né ». Tu ne peux rien faire de bien, tu n'accompliras jamais rien, tu es stupide, si seulement tu étais mort, si certains enfants luttent avec ce rejet, tout ce qu'ils ont entendu, même lorsqu'ils reçoivent le meilleur des encouragements qui peut mesurer la blessure, atteignant ceux qui sont continuellement exposés à des propos si cruels. Frères et sœurs, c'est là que ça nous parle. Est-ce que nous, chrétiens, on ne blesse pas nos enfants? Je ne dis pas, comme dit la Bible, il y a certains passages, il dit de corriger, de reprendre, tout ça. Ça, je n'essaie pas de dire, il faut leur laisser de régner. Non, 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 non. Mais il y a l'abus verbal. Et parfois, les blessures nous font entrer dans des colères, l'ego. Et ça devient encore d'autres blessures. Voilà. Et la plupart du temps, c'est ce qui se passe dans les couples. Disons-le. Et c'est après, on regrette. Heureusement, il y a le Saint-Esprit qui est là, qui nous interpelle. Mais après, on veut justifier en disant, mais il m'a poussé, elle m'a poussé. Non, c'est pas une raison. Moi, quand ça arrive, je dis, Seigneur, je demande pardon. C'est pas une raison. J'ai fauté, je m'humilie. Répentir. Mais est-ce que nous, on a ce courage de le faire? C'est pourquoi je veux vous lire ces paroles. Parce que je disais qu'il fallait prendre le temps. Et Dieu m'a laissé donner du temps. Il y a l'abus physique. Ceux qui sont victimes. Et marquez, l'abus physique sur des enfants existe. Il n'y a aucune manière défendable. Il n'y a aucune manière qu'on peut défendre. Toutefois, on rencontre actuellement une tendance à étiqueter comme abus physique certaines formes de discipline qui ne sont pas des abus. Par exemple, certains groupes soutiennent que la punition corporelle, et je parle dans la vie, après je vais aller en profondeur, est un abus physique, cependant, à une bonne fessée, convenable, administrée et biblique et profitable, ce n'est pas de l'abus mais de l'amour. Après, ça dépend comment on corrige. Comment on corrige? Parce qu'après, il faut parler à l'enfant. Il faut lui montrer qu'on l'aime. Mais s'il n'y a qu'une fessée, même s'il a tort sans l'expliquer, ça aussi, ce n'est pas bon. Ça peut laisser des blessures. Que Dieu puisse nous enseigner. Moi, le premier. Mais parlons aussi, toujours dans les abus physiques, l'abus sexuel. Et je vais parler parce que vous dites, souvent dit, il y a des enfants. Mais les mots que j'ai écrits, que j'ai soulignés, je me dis, ça va. Peut-être si ça ne va pas, ma femme sera là aussi de me reprendre justement. On a besoin de nos épouses qui sont là aussi pour dire, mais là, tu as été trop fort et tout ça. C'est comme ça. Il faut bien que quelqu'un puisse nous dire. L'abus sexuel, une femme sur 4 et un homme sur 8 sont victimes d'abus sexuels. Je parle des caresses, de sodomie, d'inceste et de viol. L'abus sexuel crée une instabilité extrême de la personnalité chez ses victimes. Oui, ces blessures-là. Et beaucoup sont passés par là. Et je continue. Ces blessures sont généralement, écoutez bien, réprimées et enterrées profondément en soi. Mais pourquoi? La raison de ce refoulement est claire. La plupart de ces abus sont infligés par des proches de la famille afin de dissimuler la honte qui pourrait être amenée sur la famille. La faire étouffer ou alors vous faites taire l'enfant par des menaces de représailles s'il dénonce l'agresseur. Parfois ce sont les propres parents, si ça entend un truc de la famille, à cause de cacher, parce que parfois, soi-disant, ça se passe dans des familles.
n'y a pas de famille. Et s'il y a cette honte-là, mais ces enfants, parfois, en tant que pasteur, on a reçu des gens, parfois des révélations. Dieu nous donne des paroles de connaissance surnaturelle. Des personnes qui ont été blessées, ils ont refoulé parce qu'on les a réprimandées. Ils vivent avec cette blessure. Ça fait mal. Mais Dieu est bon. Des fois, il nous donne des paroles de connaissance, on prie et ça sort. Parce que Dieu veut les emmener à parler. Imagine-toi, tu avais tes seules paroles pour te défendre. Ils te menacent en disant c'est pas vrai. Eux, ils savent c'est vrai. Quelle humiliation. Moi, ça me fait mal. L'enfant se tourne que vers son père, vers sa mère. Et encore, quand c'est celui-ci qui l'emmène dans ça. Oh, pardon. Comment cet enfant va grandir? Vous comprenez au niveau de sa personnalité, il est troublé. Il ne sait plus qui faire confiance. S'il a dit à ses parents, les parents l'ont menacé, tu dis rien. Parce que c'était le tonton. Ouf. Et deux fois, j'ai suivi des cas que c'était le beau-père. Et le beau-père avait eu même un enfant. Mais la mère de la fille a réprimandé. Ouf. Même dans le fait qu'elle a donné cette soeur, sa vie au Seigneur, combien de fois on l'a suivi, sa vie était stable. Et quand on comprend ces choses-là, on va être beaucoup amour. Quand le pasteur dit, mais vous inquiétez pas, je comprends la sœur, sans vous dire, mais si vous priez le Seigneur, vous allez exercer de compassion. Vous allez pour comprendre pourquoi la vie de la personne est stable. Quelqu'un qui était violé depuis petit, qu'on l'a donné un enfant, ouf, ces blessures-là, il met quelque part. Et ces blessures sont prêtes à sortir le jour où cette personne se marie. Et le pauvre mari qui ne comprend pas tout, s'il ne cherche pas la face de Dieu, il va vouloir demander le divorce. Mais ce n'est pas ce qu'il faut. Sois un médecin. Il y a aussi des hommes qui ont connu aussi. Imagine un homme qui a connu ça. On se sent sale. Cette personne parfois a du mal à manifester de l'amour dans son couple, tout ce qui est caresse, parce qu'elle voit ça comme c'est ça. Et la plupart des prostituées, si vous leur demandez, la plupart vous me diront qu'ils ont été abusés. C'est pour ça que Dieu m'a dit ce message-là va produire de fruits. Parce que ça va loin. Bien entendu. Ça va loin. Comme je l'ai noté, oui, il a été établi que la plupart des prostituées ont été victimes d'abus sexuels pendant leur enfance. Dans pratiquement chaque cas, les personnes sexuellement abusées éprouvent un profond sentiment de culpabilité et de souillure. Le fardeau de la honte peut être écrasant. Si Dieu nous donne ce message, parce qu'il va nous envoyer des gens blessés, des gens qui ont été abusés depuis l'enfance. Et quand je disais à un frère hier, j'ai dit, il y a d'autres qui ont connu le rejet, vous savez comment ils étaient dans le ventre de leur mère. Pourquoi ce rejet? Parce qu'on vit dans une société, les hommes veulent tout programmer. Mais alors si l'enfant vient à un moment qu'on n'a pas programmé, la mère ou le père commence à rejeter l'enfant. Et vous croyez l'enfant ne ressent pas? Il le ressent déjà. Quand Dieu dit à Jérémie, je te connaissais bien avant que tu étais dans le ventre. Et si une femme ne veut pas d'enfant et le mari, le jour qu'elle a un enfant, bien avant, son corps avait rejeté. Et si son corps avait rejeté, va rejeter automatiquement l'enfant. Et voici la société. Ne regardez pas parce que quelqu'un est beau et belle, vous qui êtes chrétien. Mes jeunes sœurs,
Et jeunes frères, vous allez vous marier. Demandez la grâce de Dieu. Amen. Si vous êtes capable d'être un bon médecin, vas-y. Mais si tu n'es pas capable, tu viendras pleurer très vite. Tu diras, c'est pas ce que j'ai vu. Tu ne pouvais pas le voir parce que c'était intérieurement. Et quelque chose qui est intérieur sort parfois au fur et à mesure. Parce que c'est la vie de la personne depuis son enfance. Elle ne peut pas te dire à quelques minutes près que tu l'as rencontré. C'est pas qu'elle a voulu cacher. C'est pas qu'il a voulu cacher. C'est toute une vie. Même des choses qu'il ignore. Mais même quand il va se marier, il y a des choses qui vont ressortir. Mais nous qui connaissons Dieu, apportons Dieu. Comme David a fait. Frères et sœurs, Dieu qui m'a emmené à penser à l'essai, il dit, c'est le message de la croissance. Les blessures intérieures. Il y a des cas, des personnes qui sont venues me voir, ils n'ont jamais dit à leur épouse, soit abus, soit le mari abus. J'ai dit, est-ce que tu as dit à l'époux? Non. Tu dois discerner à travers ce que tu as entendu pour pouvoir examiner, comprendre ton mari et comprendre ta femme. Et pour pouvoir prier. Parce qu'il faut une délivrance. Il faut une libération. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons prier ensemble, oh Dieu de grâce. Prier pour nos blessures intérieures. Car la prière provoque un miracle. Amen. Ça va t'aider à comprendre tes collègues de travail. La réaction des autres. C'est pas parce que la personne a tout qu'elle ne souffre pas. Et nous qui avons reçu, écoutez bien, la guérison. La Bible dit veillez et priez. Parce que Dieu m'a appris quelque chose à travers la cicatrice que j'ai sur le front. Je ne vais pas vous dire pourquoi. Il m'a dit, elle est là. Elle est guérie. Il y a une peau. Mais si tu la frôles contre un mur, ça peut très vite, ça reste fragile. Et pourtant, je suis guéri. Et si on ne veille pas sur notre guérison, de nouveau, ça peut venir. On va dire, il ne m'avait pas guéri, t'as guéri. Mais tu dois veiller. Amen. Parce que le diable se sert de tout cela. Parce que quand il y a la haine, qu'est-ce que le diable va faire? Il va s'en servir. Je ne dis pas que tu es possédé. Parce que beaucoup de gens qui n'ont pas été guéris et ils ont blessé les autres, ils ne supportent pas avoir des coupes dans le bonheur, les autres dans le bonheur, ils sèment la zizanie. Parce qu'ils n'ont pas été guéris. Ils ont appris que ça. Ils sont blessés. Et ces paroles vous donnent le discernement. Ces paroles nous donnent le discernement de s'examiner. Moi, j'ai pris ces choses, je les ai mis. Ça ne veut pas dire que Dieu m'a guéri de certaines choses que je ne dois pas veiller. La plaie peut s'ouvrir de nouveau. Si je ne veille pas. C'est pourquoi il dit veillez, priez, amen, frère. Amen. On est concerné. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Amen. Fais appeler vraiment les musiciens à venir. Vous savez, il y a tellement de choses à dire que je n'ai pas fini de développer tout ça. Et Dieu m'a amené beaucoup de choses, mais on est concerné. Amen. De dire comme la prière de David, sors de moi et connais mon cœur. David a dit, c'est pas la faute de l'autre. On m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Seigneur, non. Peut-être les réactions des autres m'ont amené à s'examiner, m'ont amené à comprendre et peut-être ça a ouvert la plaie. C'est reparti de nouveau. Cette blessure qui était guérie. Mais parce qu'on m'a... Et j'ai dit, oh Seigneur, combien de fois, pardonne-moi, je veux me repentir. Amen. Et on doit prier selon ce que nous avons entendu. On va attendre d'abord, la musique va nous porter, va nous emmener vers le cœur de Dieu. Ensuite, nous élèverons notre voix vers ce Dieu qui nous aime. Jésus. Thank you.
L'amour de Dieu est puissant. C'est pourquoi nous voulons que prier pour l'amour de Dieu, afin que l'amour de Dieu puisse se répandre dans nos cœurs. Et s'il y a un enfant qui a été blessé, même au milieu de nous, le plus petit, Dieu aussi veut guérir. C'est pourquoi je veux dire Dieu pardon. Seigneur, peut-être combien de fois j'ai blessé, mais je veux te demander pardon, me répondis. Est-ce qu'on peut vraiment s'humilier devant Dieu pendant nos frères vont jouer et nous emmener à travers un son musical qui va nous emmener vers le cœur de Dieu? Si tu reçois l'amour de Dieu, cet amour est un remède et tu seras un remède pour ton mari, pour ton épouse, pour tes enfants. Je ne dis pas qu'il faut laisser faire, mais tu pourras comprendre le problème, détecter. Et Dieu te donnera des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Mais malheureusement, le diable utilise beaucoup de chrétiens à cause des blessures. Il blesse aujourd'hui. Il détruit l'œuvre de Dieu parce qu'ils n'ont pas été guéris à cause de viol, l'abus que tu as connu. Et tu te détestes. Et si tu te détestes, tu détestes aussi l'autre. Tu dois t'aimer. Amen. Tu dois te voir comme Jésus te voit. Alléluia. Jésus ne te voit pas comme une ordure. Mais Jésus te bénit. Celui qui te parle. Tu as connu cela. Tu n'as jamais dit à qui que ce soit. Mais reçois la délivrance. Alléluia. Reçois la délivrance. Amen. Ce qui bloque dans ton foyer, c'est ce que tu as connu. Et pourtant, tu n'es pas dur.
cause de cette douleur. Humilie-toi devant Dieu. Et la plupart du temps, c'est vrai, les hommes peuvent subir, mais la plupart du temps, les femmes ont subi cela dans leur enfance. Mais il y a ceux qui ont su parler pour se libérer et demander pardon. Dieu te fait grâce. C'est ton jour aujourd'hui. Il veut te libérer. Oui, on va reprendre ce chant. Pendant qu'on va reprendre ce chant, tu vas sonder ton cœur comme David l'a fait. Sonde-moi. Sonde-moi. Oh Jésus. Jamais dit à qui que ce soit. Et cela fait qu'en sorte, quand tu te regardes, tu as du mal à t'aimer. Tu as du mal à accepter ce que tu es. Mais il te tend la main aujourd'hui. Et il y a une sœur qui se dit, mais pourquoi ma fille est indifférente avec moi? Pourquoi elle est ainsi indifférente? Mais Dieu veut te faire comprendre qu'elle est blessée. Peut-être ta fille, elle est blessée, le fait de ne pas avoir un père et autre, je ne sais pas. Mais elle est blessée. Elle ne peut pas comprendre ce que tu comprends aujourd'hui. Elle ne peut pas saisir ce que tu as saisi. Mais Dieu t'étend la main. Dieu t'étend la main. Dieu veut te dire, il t'a parlé aujourd'hui, que tu puisses comprendre l'autre. C'est vrai qu'elle te fait du mal, mais ne prends pas que ces blessures ne doivent pas encore te percer. Mais à travers ce que tu as reçu, il te tend la main et il te guérit. Amen. Reprends ce chant pendant qu'on va reprendre encore. Tu vas prier, toi, mon frère. Tu as vécu cela et tu as du mal. Et quand le diable te rappelle, c'est le diable qui te rappelle cela. Tu te sens sale. Et parfois, il y a des pensées de suicide qui viennent en toi. Mais heureusement, tu as Dieu. Tu rejettes ces pensées. Et il te tend la main. Oh Jésus. Alléluia. Saint-Esprit.